Je vais m'intéresser aujourd'hui à la représentation graphique d'une courbe où il y a des asymptotes et aux limites éventuelles. Donc là, j'ai fait une courbe qui est une hyperbole avec deux droites que j'ai tracées, une d'équation y égale 2, une d'équation x égale 1. Je m'intéresse à la limite de la fonction au moins l'infini. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur l'axe des x. Et sur cet axe, je vais me déplacer vers moins l'infini. Je remarque que quand je me déplace vers moins l'infini, l'image qui est sur l'axe des ordonnées va avoir tendance à se rapprocher de 2. Je vais donc dire que cette limite est égale à 2. Je vais faire pareil en plus l'infini. Cette fois-ci, je vais me déplacer vers plus l'infini sur l'axe des x et je vais regarder l'image. Et je vois que cette image a toujours tendance à se rapprocher de 2. Je vais donc dire que l'image est égale à 2. Je remarque que, comme ce que j'ai dit dans le cours, j'ai toujours ici un nombre fini avec un infini. Ça sera l'occasion de prouver qu'on a une asymptote. Cette fois-ci, ça sera une asymptote horizontale, vu que c'est le y qui se stabilise à 2. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la valeur interdite? Donc cette valeur interdite n'a pas d'image, on le voit, c'est une hyperbole. Je vois que je vais distinguer deux cas, le cas à gauche et le cas à droite. Je vais donc m'intéresser à la limite quand je me rapproche de 1, mais en étant plus petit que 1. Donc je me mets à gauche de 1, je me déplace vers 1 et je me rends compte que l'image a tendance à aller vers moins l'infini, ce que j'ai écrit ici. Ça, c'était la limite à gauche. Je vais m'intéresser à la limite à droite. Cette fois-ci, je me place à droite, je me rapproche de 1. L'x se rapproche donc de 1. Je regarde les images. Les images, maintenant, ont tendance à aller vers plus l'infini. Donc, la limite à droite va être de plus l'infini. Pareil que tout à l'heure. Ici, j'ai un infini et un nombre fini. Ça veut dire que je vais avoir une asymptote. Et cette fois-ci, ça sera une asymptote verticale, car la valeur qui tend vers un nombre fini, c'est le x. J'ai donc une asymptote verticale d'équation x égale 1. Voilà!